Salut, moi c'est Tahini. J'ai un peu plus de 2 mois et je viens d'une association. Comme vous le savez, mes parents adoptifs ont perdu un de mes copains, Bibi. Cette situation les a beaucoup peinés. Je suis une jolie page qui se tourne et je sais qu'ils n'oublieront jamais mon copain Bibi. Parlons un petit peu de moi. Je suis arrivée dans ma nouvelle famille il y a quelques jours. Je suis encore un peu peureuse même s'ils arrivent à me mettre vraiment à l'aise. Je prends mes marques petit à petit et je les aime un peu plus chaque jour. Si je devais définir mon caractère, je dirais que je suis plutôt joueuse. Bon, ça c'est comme la plupart de tous les chatons. Et je suis aussi une vraie machine à ronron quand il s'agit de câlins. Vous connaissez sûrement ma copine Sushi. Bon, on n'est pas encore les meilleures amies du monde, mais ça devrait pas tarder. Je sais qu'elle est pas méchante. Mais vous comprenez, elle est super grande par rapport à moi. Ça fait un peu peur. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour m'habituer à elle. Mais je sais que plus tard, nous serons de superbes amies. Elle me respecte énormément. Et ça, j'apprécie. C'est quelque chose que je retiens. Quand elle voit que je suis mal à l'aise, elle s'en va, tout simplement. Elle ne cherche pas plus loin. Et ça, j'apprécie beaucoup. Bah oui, je suis haute comme 3 pommes et 1,5 kg. Tu veux que je fasse quoi? Franchement, dans cette famille, je suis gâtée. Mes parents m'ont commandé plein de belles choses. J'ai le droit à un bel arbre à chat, des jolies gamelles et plein de jeux qui devraient pas tarder à arriver. Que demander de mieux? Bon, évidemment, je reste un bébé. Et j'adore jouer, ou plutôt faire des bêtises. Je vous jure que c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Je me suis déjà fait une grande copine. Elle s'appelle Safia. Bon, je pense que vous la connaissez aussi. Elle aime beaucoup jouer avec moi et me caresser. Je sais qu'on va être de grandes amies, elle et moi. Quand je vous disais que j'adorais les câlins, ben, c'était pas une blague. Avoir une famille qui nous aime, je crois que c'est vraiment la plus belle chose au monde. Et je suis très fière que mes frères et sœurs aient pu trouver une jolie famille comme j'ai pu trouver la mienne. Et, les amis, je vous rappelle que adopter un animal est un acte qui doit être longuement réfléchi. Nous sommes beaucoup trop nombreux en refuge, les places sont bien trop chères. Nous avons tous besoin d'une famille qui nous aime et qui puisse subvenir à nos besoins. Alors avant de nous accueillir, réfléchissez bien s'il vous plaît, c'est important. Je m'habitue également petit à petit à la présence de ce petit bout. Elle pleure beaucoup, donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur encore. Mais je sais qu'elle et moi, on va bien s'entendre aussi. J'ai hâte de vous partager mes nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre. Salut !